toujours dans la dernière leçon, les règles funéraires, et nous nous sommes arrêtés après avoir décrit la manière de prier sur le défunt, où nous avons vu qu'il faut prononcer 4 fois le takbir et ce qu'il faut prononcer à chaque fois. Nous avons vu ce que nous devons dire comme invocation. Lorsqu'il s'agit d'une femme, il faudra changer le pronom et au lieu de dire « Allahumma ghfir lahu » qui veut dire « Oh Allah, pardonne-lui », on dira alors « Allahumma ghfir laha » et à chaque fois que l'on priera sur une femme, on prend cette invocation rapportée dans la sunna et on la change au féminin. Si ils sont deux, c'est-à-dire s'il s'agit de 2 personnes, alors on dira « Allahumma ghfir lahuma warhamhuma » c'est-à-dire qu'au lieu de dire « hu » qui veut dire « lui », « pardonne-lui », on dira « huma » ou « lahuma » qui veut dire « pardonne-leur à tous deux ». C'est le duel « al-muthanna ». S'ils sont plusieurs, si les défunts sur lesquels on prie en même temps dans la même prière sont plus que 2, à partir de 3 et plus, alors on dira « Allahumma ghfir lahum warhamhum » et on utilisera ce qui montrera que l'on prie sur plus de 3 personnes. Mais s'il s'agit d'un enfant, en lieu et place de la demande de pardon, on dit. Donc s'il s'agit d'un enfant, on ne demande pas le pardon pour l'enfant. L'enfant n'a pas de péché. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire « Allahumma ja'alhu faratan wa dhukhran li walidayhi wa shafi'an mujaba Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma wa a'zim bihi ujurahuma wa alhiqhu bi salihi salafil mu'minin waj'alhu fi kafalati Ibrahim alayhi salam wa qihi bi rahmatika 'adhab al-jahim. Oh Allah, fais qu'il soit un prédécesseur, une épargne et un intercesseur exaucé pour ses parents. Oh Allah, alourdis par lui la balance de leurs bonnes actions et accroît leur récompense. Réunis-le avec les croyants pieux et mets-le sous la tutelle d'Ibrahim alayhi salam et protège-le par ta miséricorde du châtiment de l'enfer. » Donc, on voit ce que l'on doit dire à chaque fois en fonction de la personne sur laquelle on prie. Et lorsqu'il s'agit d'un défunt dont on ignore le sexe, on ne sait pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Cheikh Abdelrazak, hafidhahullah, nous dit, on dira alors « Allahumma ghfir lahu », c'est-à-dire « Ou Allah pardonne-lui », voulant par cela le mort, que ce dernier soit un homme ou une femme. Il n'y a pas de mal aussi, comme le dit le Cheikh, hafidhahullah, à dire « Allahumma ghfir laha », ou « Allah pardonne-lui » au féminin. Pourquoi? Car ce que l'on voudra ici, c'est la djinaza. La djinaza, c'est la dépouille, si on peut dire ça comme cela. Ensuite, lorsqu'il s'agit d'un enfant, étant donné que l'enfant n'a pas de péché, s'il vient à décéder, c'est pour ses parents que l'on va invoquer Allah, et c'est en leur faveur que l'on va solliciter Allah, tabaraka wa ta'ala, afin qu'il puisse avoir la récompense. Et la preuve est un récit rapporté par l'imam Ahmad et d'autres jugé bon et authentique par l'imam al-Albani, rahimahullah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « وَالسِّقْتُ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ » Et pour le bébé qui est tombé après une fausse couche, on prie sur lui, on invoque Allah en la faveur de ses parents, on sollicite le pardon et la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour ses parents. Également, des paroles de compagnons sont relatées en ce sens, de compagnons et même des tabi'oun, ceux qui ont vécu avec eux. Par exemple, d'après Samurat ibn Jundub, le compagnon, radiyallahu ta'ala anhu, nous dit, « Ud'u Allah li walidayhi an yaj'alahu lahuma faratan wa ajra » Invoquer Allah pour ses parents. Il s'agissait ici, bien sûr, d'un enfant qui était mort. Invoquer Allah pour ses parents.
afin qu'il soit pour eux une source de récompense et un prédécesseur. Un prédécesseur, c'est-à-dire le premier qui arrivera au paradis et qui les attendra là-bas. Et d'après Al-Hassan, rahimahullah, Al-Hassan al-Basri, il dit « Allahumma ja'alhu lana faratan wa dhukhran wa ajra »« Oh Allah, fais de lui pour nous un prédécesseur, une épargne et un intercesseur et une récompense. » Une épargne, c'est-à-dire comme quelqu'un dans ce bas monde qui va épargner une somme d'argent, c'est-à-dire qu'elle va la mettre de côté pour en tirer profit à un temps donné. De la même manière, lorsque l'on perd un enfant en bas âge, on demande à Allah de faire de cet enfant une épargne pour ses parents, qu'ils le retrouveront et retrouveront la récompense. Pourquoi est-ce que l'on doit invoquer Allah tabaraka wa ta'ala pour les parents? Car comme nous l'avons dit, l'enfant n'a pas de péché, mais aussi le fait que les parents sont la cause de son existence. Ils sont la cause de son existence et ce sont eux qui se sont investis pour qu'ils puissent rester en vie. Donc on invoque Allah tabaraka wa ta'ala pour eux. Al-Sheikh ibn Baz rahimahullah dit, conformément à la sunna, l'imam se tient au niveau de la tête du défunt, si c'est un homme, et au niveau du milieu du corps, si c'est une femme. S'il y a plusieurs défunts, on place le corps de l'homme juste devant l'imam, et celui de la femme plus en avant, en direction de la qibla. S'il y a des enfants, on place le jeune garçon avant la femme, puis la femme, puis la jeune fille, en plaçant la tête du garçon au niveau de celle de l'homme, le milieu du corps de la femme au niveau de la tête de l'homme, puis la tête de la petite fille au niveau de la tête de la femme, et le milieu du corps de la petite fille au niveau de la tête de l'homme. Ensuite, tous ceux qui prient se tiennent derrière l'imam, sauf si quelqu'un ne trouve pas de place derrière l'imam. Dans ce cas, il se tiendra à sa droite. Et c'est donc la sunna, comme il est rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed, rahimahullah, d'après Abu Ghalib al-Khayyat, قال, le tabi'i qui dit, « Shahidtu Anas ibn Malik, salla ala jinazati rajul, faqama inda ra'si, falamma rufi'at, utiya bi jinazati mra'atin min Quraysh, aw min al-Ansar, faqila lahu ya Aba Hamza, هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليها فصلى عليها فقام وسطها وفينا العلاء بن زياد العدوي فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت قال نعم قال فالتفت إلينا العلاء فقال احفظوا. Dans ce récit, on voit l'attachement des pieux prédécesseurs à la guidée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le tabi'i nous dit, j'étais en présence de Anas ibn Malik, et Anas ibn Malik est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était à son service pendant 10 années et qui a vécu avec lui. J'étais en compagnie de Anas ibn Malik quand il pria sur un défunt qui était un homme. Le défunt était un homme. Il s'est tenu debout au niveau de sa tête. Puis on a déplacé le corps du défunt pour amener tout de suite après celui d'une femme de la tribu de Quraysh ou alors de la tribu des Ansar. Et on dit à Anas, « Oh Abu Hamza, » c'est la kunya par laquelle il est appelé, « Oh Abu Hamza, voici la dépouille d'une femme. Prie sur elle. » Il pria alors sur elle en se tenant debout au milieu de son corps. Il y avait avec nous le dénommé Al-Ala ibn Ziyad. Et lorsqu'il a vu la différence entre la prière faite sur l'homme en se tenant debout près de sa tête et sur la femme en se tenant debout au milieu du corps, il interrogea Anas en lui disant « Oh Abu Hamza, est-ce comme cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? S'est-il tenu debout de cette façon avec l'homme et de celle-ci avec la femme ?» Anas répondit « Oui ». Al-Ala se retourna alors et nous dit « Apprenez cela ». On voit que les pieux prédécesseurs s'investissaient dans l'apprentissage de la sunna et ne négligeaient rien. Et c'est ainsi que l'on agit
avec la grande personne et même avec le jeune, c'est-à-dire que si l'on prie sur la dépouille d'un homme et même d'un garçon, on fera en sorte que le corps soit devant l'imam et que l'imam se tienne debout devant la tête, au niveau de la tête du corps, que ce soit un homme ou un jeune garçon. S'il s'agit d'une fille, l'imam se tiendra debout devant le milieu du corps de la femme. Et pareil, donc si c'est une femme ou si c'est une fille. S'il y a plusieurs corps, on va organiser un rang de sorte à ce que si c'est une femme et un homme qui sont les défunts, on fera en sorte à ce que l'homme soit devant l'imam. L'imam se tiendra debout au niveau de sa tête. Tout de suite après l'homme, on mettra la femme, si ce n'est que la femme, on fera en sorte que la tête de l'homme défunt soit à hauteur de la moitié ou du milieu du corps de la femme. Et s'il y a plusieurs défunts, on va les organiser de cette façon, que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, garçons ou filles. C'est donc la sunna qu'on nous a enseignée. Walhamdulillah. Et ceci car la femme, ou alors l'homme, donc on le met devant comme nous l'avons dit, et la femme, on la met plus loin comme nous l'avons dit. Et c'est pareil dans la prière. Dans la prière en groupe, les hommes sont plus proches de l'imam que les femmes ne le sont. Alhamdulillah. Et un récit est rapporté par l'imam An-Nasa'i rahimahullah, d'après Nafi', qui dit que Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma a effectué une prière sur 9 corps qu'il a réunis. Les hommes étaient devant les femmes et les femmes étaient plus proches de la Qibla, c'est-à-dire plus éloignées de l'imam que les hommes. Il a fait un rang, une rangée avec tous les corps, tous les cadavres. Al-Sheikh ibn Baz rahimahullah ta'ala nous a donner ces détails. Il y a d'autres preuves, celle qui est rapportée par l'imam al-Nasa'i rahimahullah ta'ala, d'après Ammar, l'esclave affranchi de Banu Hashim, qui dit: Shahidtu jinazata mra'atin wa sabi. J'ai assisté à la prière mortuaire sur une femme et un jeune garçon. Faquddima sabi mimma yali al-qawm. On a placé le jeune garçon devant l'imam. ووضعت المرأة وراءها et la femme derrière lui. فصلي عليهما puis on a prié sur les deux. وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة فسألتهم عن ذلك فقالوا السنة. Il y avait ici les compagnons parmi lesquels Abu Sa'id, Ibn Abbas, Abu Qatada, Abu Huraira, parmi les plus grands compagnons. Je les ai tous interrogés et ils m'ont dit la sunna. C'est-à-dire que c'est la sunna qui nous pousse à agir ainsi. On prend comme modèle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, tous ceux qui prient se tiennent derrière l'imam. Sauf si quelqu'un ne trouve pas de place derrière l'imam. Dans ce cas, il se tient à sa droite. Comme l'a dit le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué la prière mortuaire sur le négus, al-Najashi. Et il dit: Thumma taqaddama fa saffu khalfahu fa kabbara arba'a. Celui qui raconte cette prière nous dit: puis il s'est mis à l'avant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eux se sont tous mis en rang derrière lui et après il a prononcé 4 takbir. Et s'il n'y a vraiment pas de place à cause de l'exiguïté des lieux, dans ce cas-là, il n'y a pas de mal à ce que quelqu'un vienne se tenir à la droite de l'imam. Huitièmement, la description de l'enterrement. Il y a plusieurs choses à prendre en compte pour l'enterrement. Premièrement, creuser profondément dans le sol, une profondeur égale à la mi-hauteur d'un homme. Faire des tombes latérales,
C'est ce qu'on appelle al-lahd en arabe. Et le lahd, c'est le fait de faire un fossé ou alors de creuser un trou latéral. En premier, on va creuser comme on le fait pour n'importe quelle tombe. On creuse un trou au sol. La hauteur à peu près à la mi-hauteur de la taille d'un homme. Ensuite, sur la paroi gauche ou droite, celle qui sera en direction de la qibla, si la paroi gauche est en direction de la qibla, ça sera la gauche. Si c'est la droite qui est en direction de la qibla, ça sera la droite. Sur une de ces deux parois, celle qui est en direction de la qibla, on va creuser un autre trou de la taille du corps. Et c'est dans ce trou-là qu'on va introduire le corps qui sera couché sur le côté droit, le visage face à la qibla. Ensuite, on refermera, comme vous allez le voir et en entendre les détails. Il dit, on ne découvre ni le visage de l'homme ni de la femme. Puis on bouche la fosse de briques naturelle qu'on cimente avec de l'argile pour que le sable ne puisse s'introduire. S'il n'y a pas de briques, on bouche la fosse avec des planches de bois ou des pierres ou tout autre matériau. Ensuite, on couvre le trou avec de la terre. À ce moment, il est recommandé de dire Bismillah wa ala millati rasulillah, au nom d'Allah et selon la religion du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. On surélève la tombe de la surface du sol d'un empan. Si c'est possible, on entrepose des cailloux par-dessus et on asperge le dessus d'eau. Il est recommandé à ceux qui assistent à un enterrement de se tenir debout près de la tombe et d'invoquer Allah pour le mort. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de l'enterrement du musulman, se tenait debout devant sa tombe et disait « Is'alou li akhikum at-tathbit, fa'innahu l'ana yus'al. » Priez pour l'absolution des péchés de votre frère et demandez Priez pour l'absolution des péchés de votre frère et demandez à Allah de le raffermir, car il est en ce moment en train d'être questionné. Donc, cette huitième partie de cette leçon concerne la façon d'enterrer. Plusieurs questions ont été soulevées par le cheikh rahimahullah, la première étant le fait de creuser un trou au sol qui soit assez profond. Et ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le récit rapporté par l'imam Abu Daoud et d'autres, jugé authentique par le cheikh al-Albani rahimahullah, il dit « Ihfiru wa awsi'u wa a'miqu » C'est-à-dire qu'il ordonne, alayhi salatu wassalam, de creuser, de faire en sorte que le trou soit vaste et profond. Et le prophète, sallallahu alayhi wassalam, n'a pas donné de délimitation de la taille du trou. C'est la raison pour laquelle les savants ont divergé sur sa profondeur. Certains ont dit qu'il doit arriver à la nuque, c'est-à-dire que si l'homme entre dans le trou, on verra sa tête sortir. D'autres ont dit qu'il arrive au nombril, pendant que d'autres ont dit qu'il arrive à la poitrine. Le Cheikh Abdelrazzaq, hafidhahullah al-Badr, nous dit, il suffit dans cela de faire un trou nécessaire à ce que aucune odeur ne puisse se dégager, l'odeur du cadavre. Et aussi, un trou nécessaire à ce que les différents animaux sauvages, les bêtes et autres, ne puissent s'approcher du cadavre. Alhamdulillah. Et cela dépend de la solidité ou non de la terre sur laquelle ou dans laquelle on enterre le défunt. Ensuite, Al-Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, nous parle de ce trou que l'on doit creuser sur la paroi de la tombe. C'est ce qu'on appelle en arabe al-lahd. Al-lahd, c'est comme nous l'avons déjà dit, un trou que l'on va creuser sur la paroi de la tombe pour que l'on puisse y introduire le corps. Le corps, à ce moment-là, nous allons détacher les nœuds du linceul. Et nous ne gardons pas les ficelles. On les laisse où elles sont, simplement les nœuds qui seront faits vont être détachés.
Puis le corps sera posé sur le côté droit, visage dirigé vers la Mecque, vers la Qibla. Et ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا » que la Qibla, la direction de la maison sacrée vers la Mecque, est notre direction que l'on soit en vie ou que l'on soit mort, c'est-à-dire dans les tombeaux lorsque nous sommes enterrés. Et lorsque l'on va défaire le nœud, on ne va pas prendre les ficelles avec lesquelles on a fait ces nœuds justement, on les laisse, car ceci n'est pas demandé. On ne découvrira pas le visage, que ce soit celui de l'homme ou de la femme. Après cela, le corps, une fois introduit sur son flanc droit, nous allons faire en sorte de boucher ce lahd, ce trou creusé dans la paroi pour accueillir le corps. Comment est-ce qu'il va être bouché? Il va être bouché avec tout ce qui peut être utilisé pour cela. Ça peut être avec des briques naturelles qu'on cimente avec de l'argile pour que le sable ne puisse s'introduire. S'il n'y a pas de briques, on bouche la fosse avec des planches de bois ou des pierres ou tout autre matériau. Ensuite, on couvre le trou avec la terre. Ceci, bien sûr, pour que le corps ne soit pas écrasé. Pour que le corps ne soit pas écrasé et donc peut-être les membres cassés ou autres. Et le Cheikh Abdelrazzaq, hafidhahullah, relate le récit rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, suite ou avant le décès du noble compagnon Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, qui a dit lorsqu'il était malade, à l'agonie, avant de mourir, « Ilhadou li lahda, creusez-moi un trou sur la paroi de la tombe, wansibou alayya labina nasba, et bouchez cette paroi avec quelques briques, kama suni'a bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a fait pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. » Si on ne trouve pas des briques pour boucher, on peut utiliser tout ce qui va servir à boucher, car Allah tabaraka wa ta'ala a dit فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, craignez Allah comme vous le pouvez. Et ensuite on va reboucher ce trou avec de la terre, car Aisha radiyallahu ta'ala anha a dit مَا عَلِمْنَا بِدَفْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَمِعْنَا صَوْتَ الْمَسَاحِي. Nous n'avons eu connaissance de la fin de l'enterrement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'après avoir entendu le son des pioches, les pioches qui étaient utilisées pour ramener la terre et boucher le trou. Également, Fatima radiyallahu ta'ala anha a dit aux compagnons qui ont procédé à l'enterrement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, atabat anfusukum an tahthu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam at-turab, rapporté par al-Bukhari. Elle dit à ses compagnons, vous êtes-vous bien senti en rabattant la terre sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.